Salut à tous. Alors aujourd'hui, on est en train de promener. On a été voir Calgon. On a mis dans la machine à laver, ça a mal marché. Travaillait là, Fedel. Et on l'a vu récemment. Ah bon? Ouais, moi, Raïssa, c'est Raïssa ah, qui l'a... Ouais, c'est Raïssa qui l'avait vu. Bon. Ouais, passe à côté. Reconnu. Ouais, elle l'a reconnu. Elle connaît personne, elle. Bah alors, voilà, là, c'est la Calgon, vous voyez, c'est la machine à laver de Calgon. Calgon, la même exactement, c'est un squelettor, la démarre. Voilà. Elle pouvait rentrer dans la machine à laver. Alors, voilà, même la machine à laver va le faire. Qu'est-ce que c'est, cette merde? Oh putain. Ah, excuse-moi, Calgon, mais bon, j'ai une envie. Imagine, tu regardes sur YouTube, Bah, à part ça, voilà, on se promène, on était à... Bon, bien sûr, un coup il pleut, un coup il fait beau, un coup il pleut, un coup il fait beau, un coup il pleut, un coup il fait beau, un coup il pleut bleu, un coup il fait beau. Ah, punaise. Hein, ça, c'est ta faute, hein, Calgotte. Hein. Alors, voyez, ça, c'est Calgon qui a fermé la boîte. C'était, voilà. c'était un magasin, c'était... Bah, c'est un magasin de meubles, il a fermé. Là, c'était... Ça, c'était ici, c'était une banque. C'est toujours la banque. Là, c'est le magasin de Calgon. Ça c'est des trucs pour Calgon ça, parce que les Calgon ils aiment bien les merdes. Là c'est Bob Marley. Vous avez des cartouches. Voilà. Là c'est la banque centrale. C'est centrale. Voilà. Ça s'appelle centrale. Voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est centrale. Après, tiens, c'est une maison. Voilà, ça c'est une maison de Calgon, là il a été vendu. Ah bah, tiens, tu as fermé elle. Là, c'est bizarre ça. Bon, j'espère que ça va pas fermer. Si, c'est fermé. Je vous aime bien. Si, c'est fermé officiellement. Ah bon? Ouais. L'arrivée pas tout là, ça. C'est italien, non. C'est un portugais qui tient ça. Ils sont fermés aussi. Non, eux, ils sont ouverts. Je connais, c'est pour ça que je te dis. Là, je vais vous présenter quelqu'un qui fout un peu de ma gueule comme vous, là, la bande de PD, là. Comment je parle? Oui, bon. Vous voyez ça? Un magasin qui foutait de la gueule des gens. Ben, regardez. C'est fermé officiellement, vous voyez. C'est alors, trop CB. Oui, oui, ça veut dire... De 3 euros. Ouais. Mais ça y est, c'est fini, c'est plus le même propriétaire. Ouais, ça y est, le propriétaire est fermé, est fini. Il va y avoir quelqu'un d'autre à la place, ouais. Je ne sais pas. Ouais. Ça y est, c'est fini, c'est, la société elle a fermé. Elle a coulé. Mécanique. Elle a coulé, elle a été cédée définitivement. Hein. Parce que le mec il payait pas le loyer, vous voyez ce que je veux dire? On fout de la gueule des autres, mais on se regarde pas. Alors c'est normal, si vous voyez tout moins cher, pour lui il croyait qu'il y avait de l'argent qui allait rentrer. Bah non, c'est pas comme ça. Faut qu'on met la qualité aussi. Hein. Non, pas vrai Paulette Delaine? Tout à fait. Voilà, tout à fait, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voilà, je vous présente Paulette Delaine. Il va sortir l'album, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Il va pas, tu vas pas dire ton titre aujourd'hui, du con. Tu vas en train de dire un titre et tu vas en train de dire des conneries. Espèce de Calgon. Espèce de Calgon de mes deux, là. Ouais, t'as raison. T'as raison, frère. Comme j'ai mis tes jeunes. Alors, faut bien rigoler un peu. Alors, peut-être on va voir Célimane. On va demander à Célimane si tu peux nous. C'est Célimane. Là, c'est Limon, pardon. Là, c'est le garage Peugeot. Non. Les conneries. Regarde, je suis présent, il y a Paulette Delaine et Tonio là. Ah, bonjour. Bonjour, comment ça va, Paulette Delaine? Regardez, il est en train de te filmer, caraïque, merde. Caraïque, merde. Alors, aujourd'hui, on déconne un peu parce que. Alors, vous voyez, on aime bien être cool, on aime bien être sympa. Mais de temps en temps, un peu, faut rigoler un peu. Il nous fait chier. Voilà. La nuit de sa mère. Voilà, faut pas nous. Non, arrête un peu, t'es. J'aime bien. Faut pas insulter les gens. Mais c'est la nuit d'emmerde, la nuit. Mais on n'est pas là, t'inquiète pas. C'est la nuit d'emmerde. Voilà, regarde. Maintenant, Paulette Delaine a son gilet jaune. Maintenant. Hein, vous ne savez pas, mais il a son gilet bleu, son gilet jaune et son gilet vert. Il est chez moi. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, il a la baraque. Hein. Parce que... Alors, vous savez pourquoi on n'y va pas? Parce qu'on n'a pas envie pour l'instant, on n'est pas très chaud. Il n'est pas assez chaud pour l'instant. Voilà, on n'est pas très chaud, mais par contre, si tout va bien, la semaine prochaine, samedi prochain, si tout va bien, parce que peut-être Paulette Delaine, il va aller en discothèque en train de draguer les minous. Hein. Oh, putain. Alors, c'est pas à nous. On faisait un pompe et pire. Voilà. Alors, on y va aller là-bas, on va chanter des chansons, on va faire zoup, zoup, zoubida. Qu'est-ce après, que t'as pleuré dire, après, il va dire à la volaille, carapute, carapute. Voilà, carapute, carapute, volaille. Pardon.
Imagine, nana, il passe à côté de nous là. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Non, on n'a rien dit. On parle pas de vous. Est-ce que t'es une volaille? C'est une chanson, c'est une chanson. Voilà, il est en train de sortir son album, alors laisse-le tranquille. Ah bon? C'est quand? Bah je sais pas, pour l'instant t'abrutis, il veut pas travailler comme il faut. Ah bon? Après, bon, alors. La volaille dit. Bah, me dites, hein, l'album va sortir. Bah, regarde sur YouTube, tu vois. Alors, Paul O'Donnell, il a acheté ce magasin, il vous l'a pas dit, mais ah, voilà. Bah, comment? Il a acheté ce magasin, c'est... Bah, c'est un magasin qui a fermé, qui a ouvert, qui a fermé, qui a ouvert, qui a fermé. C'est bon, en plus. On connaît que ça, quoi. Voilà, il y a que... Dans Mante Life Folie, c'est que comme ça. Donc, voilà. Elle a fait comme une chanson de plan. Alors, là, c'est l'assurance à Paul O'Donnell. En plus, c'est vrai, regarde. L'assurance? Si, regarde. La marque qu'il préfère. Bah oui, c'est la marque. Non. Ah, la même chose, c'est Massif. C'est chez toi, ça. Massif. Bah oui, c'est ton assurance, imbécile. Ah, la Massif. Alors là, je vous présente Paul O'Donnell qui a fait Massif. Un nouveau trottoir. Massif. Non, c'est un nouveau trottoir. Avant, il n'y avait pas ça. C'était tout. C'est récent, ça. Pas le portail. Ouais, c'est tout nouveau. Là, département, Antonio, il habite là maintenant. Il habite... Voilà, j'habite nulle part, j'habite au milieu du centre-ville. Je ne me rappelle plus pourquoi. Là, c'est l'avocat de Paul O'Donnell. Ouais. Parce que j'ai démonté tout le monde, mais ils sont en train de la voir qu'à la place. Voilà. Alors vous savez pourquoi nous on parle pas des gilets jaunes? Parce que c'est pas notre but. On n'est pas là pour parler des gilets jaunes, de ce qui se passe avec les gilets jaunes, avec la volaille là-bas qui flinque. Parce que nous on parle pas de ça, on n'a pas envie de parler de ça, parce qu'on sait qu'est-ce qui se passe avec ce qui se passe quand les gilets jaunes disent les quatre vérités, c'est qu'ils disent les quatre vérités, c'est tout. Pour certains on est des cons, tant mieux. On s'en fout. L'important, c'est qu'on sait de quoi on parle. Voilà. Alors là, ici, c'est Nono qui est en train de se faire laboratoire le cerveau, là. Bien sûr. Bien sûr. 92. Voilà, ça, c'est 92. Antonio, on ne veut pas dire, mais il a 92 ans. Voilà, c'est ça. Mais bon, il est gentil, hein, mais c'est pas mon vrai âge. Mon vrai âge, c'est 350 000 ans. Beaucoup de gens ne sont pas au courant. Hein. Je viens de la planète des waouh. Pour ça, il veut jouer comme des enfants. Il a été dans un magasin jouer tout à l'heure. Alors on a été même, on a été voir Calgon. On a chanté une chanson de Calgon. Et c'est pour ça, il a tombé la graisse coucous. Voilà, la graisse coucous, Scarby. Ça, par contre, c'est un jumper, un jumpy, un jumpon. Jumpy, je sais pas. L'autre, il est en train de chanter comme un hamar là. Alors, vous savez ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu au mariage. Au mariage, il y a les 40 voleurs et les 40. Et puis, Nana, il voulait faire Formule 1. Et en plus, il y en avait d'autres qui prenaient pour la MMA. Vous savez, la MMA en 4 roues motrices. Je croyais qu'il était sur un rallye. Car. T'as mis un frein à main, quoi? Ouais, c'est pas ma faute. Alors là, c'était une pharmacie. Une pharmacie. C'est ce que je raconte, moi. Attends, en train de me faire des conneries au téléphone. Qu'est-ce que je veux dire? Ici, c'était normalement... Je ne savais pas, c'était téléphone, ça. Je peux finir? Oui. Ça, c'était une infirmière qui était là. Maintenant, ça a été changé. Et c'est devenu un truc de café. Oh. Apprends à lire, s'il te plaît. Moi, vous inquiétez. T'es là un peu marboule, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas grave. Ah, t'es pichiné. Voilà. Alors, vous savez, Paul O'Donnell, il va sortir son album. Hein, il va être coureux. Hein. Là, on ne vous dit pas le titre pour l'instant, parce que pour l'instant, c'est pour dire des conneries, on s'amuse. C'est une vraie surprise que vous allez voir. Là, pour l'instant, j'ai les vidéos, j'ai tout ça, mais je ne transmets rien du tout sur Internet. Pourquoi? Parce que il y a un boulot, un catastrophe. C'est un boulot de catastrophe à faire, mais... Non, t'as ta gueule, toi. T'as ta gueule, t'es complètement cinglé, tu seras toujours... Voilà, ta gueule. Vous inquiétez pas, on s'aime bien, t'inquiète. Hein. Mais non, mais parce que le problème, c'est que Paul O'Donnell ne sait pas faire le rythme comme il faut. À chaque fois, il fait le con, il veut pas écouter ce qu'on lui dit. Il croit que ça chante à la souris verte, comme ça, à n'importe comment. Dans l'herbe. Hein, il n'y a pas le tempo, il n'a rien, et ça m'énerve. Donc, j'ai du boulot avec cette grande conne. Donc, voilà, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir une surprise. Oui, et tu peux avancer, on s'en fout de ça. Oh là, il est grave le petit. Bon, ça c'est quoi? C'est une assurance maladie. Waouh. D'accord. Alors bientôt, moi et Paul O'Donnell, on va se marier. Hein, pas
J'ai mal entendu. Parce que vous nous avez dit qu'on était des tarlouses et des attends, vous avez dit qu'on était des tarlouses, qu'on était des clochards, hein, c'est et ça? Et puis peut-être des fils, pilofils. Ouais. Bon, des conneries comme ça, maintenant on va faire tout ça pour vous embêter. Nya Nya. Alors, et en plus, faut arrêter vos conneries, bande de calgons. Ah, je savais pas si c'était tous ces calgons. Ah ben ceux-là qui sont cons, et c'est des calgons, ça c'est sûr. J'ai remarqué, ça c'est sûr. Ah, putain. Ça fait la série. Ils se disent intello, intelligents comme ma mère. Ta mère sera plus intelligente que voilà. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Donc ils sont tellement intelligents qu'en réalité ils vont à l'école, ils sont même à la matinée. La mienne était plus. Et encore, et en plus, moi je me rappelle quand ils étaient jeunes, ils étaient des capitaux. Un capitaux. Ouais, un capitaux. Tu sais un capitaux. C'est une capote à l'envers. Ah, bah, alors je te présente là, c'est les BD. BD, Phil. Par contre, lui, c'est normal à cette heure-là, il ferme les portes. Il est pas ouvert. Il est ouvert. Il fait des mangas. Il fait des mangas, des livres, des BD en général, quoi, voilà. Et les PD? Des PD comme Paul Adelaine, ça on sait. Non. Ah, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, hein. Non, mon frère, c'est un PD, après. Bah, j'ai jamais dit que t'étais un PD, c'est toi-même qui allais le dire à l'instant. Non. Trafic. Non, j'ai pas traficoté, là. Par contre, là, t'es pour les croque-morts, ça, hein. Hein, pour ceux qui veulent faire la discothèque des croque-morts, bah voilà, avec ça, on peut faire des croque-morts. Regardez. Même couleur, hein. Ah, ça, c'est la même voiture que ton frère. Mon frère. Ouais. Bah, c'est la même que... ouais, à peu près que celle d'Arnaud. Arnaud, oui. Voilà. Mais le mien, il est à peu près pareil que ça. Oui. Mais sauf, lui, il a les phares orange. Mais, les clignotants orange, pardon. Ah, c'est la gaffe là. Merci. Non, c'est Laurent Magdan. Attends, remets ta bobine au début. Non, mais j'ai pris la cassette et je l'ai mis à l'envers. En fait, bon. Alors, pour les informations, vous savez que la cassette revient sur le marché. Ah, c'est marrant, on parle des cassettes maintenant. Alors, on parle de cassette parce qu'il m'a parlé d'une cassette, mais ce qu'il ne se rappelle plus, c'est parce que c'est une cassette. Ça fait longtemps qu'il avait une cassette, mais il ne s'en rappelle plus de la cassette. Eh, je n'étais pas né à cette époque-là. Hein. Comme ça, ils vont croire que je n'étais pas né à l'époque. Bah non, t'étais pas né, t'étais né le jour que t'as crevé. Ça, c'est pas la peine, c'est Paul Adelaine qui roule pas vite. Hein. Bon, allez, on rigole. Il y a voulu, là, il y a un radar. Il y a des radars dans Mantes. Hein. Alors voilà, hein, c'est tout. Hein. Bon, bah voilà. Donc, on rigole, hein. On aime bien déconner, on fait des choses. La seule chose que je veux pas, c'est du mal à faire du mal à nous. C'est pas gentil, vous savez, hein. Les Paul Adelaine et moi, on est super gentils. Sauf qu'on aime bien dire des bêtises, parce que c'est comme ça dans la vie. En plus, Paul Adelaine. Dans la vie, hein. Faut pas avoir d'ennui. Ah, l'exploit. Voilà, il est comme Johnny à Coco. Bah ouais. Hein. Et ceux qui écoutaient Film Flamme, le Film Flamme Mexi 45 3 tours. Il vient de sortir 1000 fois remix. Voilà. En ce moment, vous voyez, hein, on fait un peu de vidéos. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas sorti ma caméra, faut le dire. Elle a pris l'air. Là, aujourd'hui, elle prend l'air un peu. Parce que là, franchement, normalement, je devais faire une belle vidéo. Belle photo, tu voulais dire. Belle vidéo. Bon, elle peut faire des photos de cul si tu veux, pas de problème. Hein. Tu veux se prendre ton cul? Non, merci. Par contre, il y a Paul Adelaine qui est dans le coin. Encore un citron. En fait, c'est une Jumpy, ça. La C4, tu vois, regarde. Non, ça, c'est une C2, ça. Ta connerie. Bah si je te le dis. Ta sœur. Et je te le dis, c'est marqué C2. Non, c'est la C8. Non, c'est la C21. Ah là là. Pourquoi les femmes, elles forcent? Et tu te plains, mon chéri, tu peux dire. Ah, maintenant, t'es mon chéri, d'accord. Alors, vous voyez, c'est un beau temps. Un bouton, hein, si on veut, parce qu'il fait froid quand même. On va peut-être boire un café à la maison, parce que c'est beaucoup mieux. Hein. Ouais. Ici, c'est pas terrible. Hein. Faut sa tête d'Ignail. Ouais, et les d'Ignail, hein, on n'a pas d'Ignail. Hein. Faut que Paul Adelaine fasse la trablotte. Hein, j'aime bien venir ici de temps en temps. Bah ouais. Hein. Voilà, je vais faire. Cher force. Ah, ça c'est sûr. Hein. Ah, tu sais, quand l'album de Calgon va sortir, ça va être bien. Hein. T'as vu, c'est bien, t'as dit bonjour, lui t'as dit bonjour, non? En plus, c'est normal, c'est cousin. Voilà, t'es cousin. Là, c'est Calgon. Là, c'est Chuchon. Chuchon.
petit chat chouchou. Chouchou. Tiens là, chouchou. Ah, dis donc, tu sais ce qui m'est arrivé aujourd'hui d'écouter? Non. Patrick Bruel. Ah, casser la voix. Non, pas celle-là. Pas celle-là. Ah bon? Non, c'est pas celle-là. Et laquelle, Amiens? Devine, c'est laquelle? C'est en 85. Oh, il y a l'année en plus. Ouais, putain. Je te donne à 85. Attends, c'est laquelle à ton avis? Attends. Comment ça va? Comment ça va? Tadam. Tadam, pas comme tout toi, ça va. Ouais, ça va pas, ouais. J'attends Lola, j'attends Lola. Tu peux toujours entendre Lola. Bah, Lola, elle est pas là. Elle est jamais là, Lola. Mais on me l'a pris au bout. Elle est pas mal cette chanson, moi je l'aime bien. Ah, si je pouvais la trouver en remix. Oh, c'est pas une BM, c'est une Renault, mince. Non, Renault, regarde, c'est marqué le symbole là, Renault. Regardez, vous êtes d'accord avec moi, c'est une Renault. Hein, c'est une belle Renault. C'est une Renault 5 turbo diesel. Injection. Non, pas injection, mais injection. Ou sinon, il y a une nouvelle voiture qui s'appelle Paulette Delaine qui va sortir. Ah, pas comment? Les gens, ils vont dire Paulette Delaine. Ah, maintenant, Olivier. Il s'appelle Gigi Nono, là, maintenant, il s'appelle Paulette Delaine. Alors, faut que je rigole, moi, j'ai besoin de rire. Avec toutes les conneries, quand tu sors, on sort, quoi. Hein, c'est pas notre faute. Qu'est-ce qu'il y a? Et t'as eu Roger, c'est ça? Moi, j'ai pas eu Roger. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il a dit qu'il y avait. Wouf! Wouf, wouf, wouf! Ouais, parce que hier soir, il y avait le Rockefeller. Regarde, la Calgon, la Eno. Il y a Eno, Calgon, Paulette Delaine. Non, la Antonio, c'est la femme. Lui, ça fait longtemps qu'il existe. Hein. Ah ouais? Bah, la boulangerie, même si elle change de propriétaire, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même. Voilà, c'est toujours la même chose. Et ça tient, tu vois, que l'autre, il tiendra pas. Moi, je suis sûr qu'il tiendra, il ouvrira jamais. Ouais, bah, c'est sûr. Il n'avait pas beaucoup de monde, hein? Non. Bah, c'est pas grave, moi je m'en fous. Merde, je paye mes tasses, je voulais piquer ces tasses à lui. Bah oui, mais c'est pas grave, tu sais, les tasses c'est quoi, les tasses c'est rien ça. Non mais je rigole, comme tu dis. Ça va Annie Maillet? Attends. Bah je vais je vais l'appeler. C'est des manes et fermées. Bah c'est ce que je t'ai dit, tu m'as dit non. Non parce que maintenant il ferme. Ouvert, non parce qu'il ferme tôt maintenant. Non, il est ouvert. Oui je sais, mais il ferme tôt. Il ferme à quelle heure? Ah il ferme à 18h ce franfoiré là. Non, 19h, il a dit maintenant. Au lieu de 20h, c'est 19h. Il est un vieux papy, hein. Là, il est plus vieux que nous, oui. Mon cul, oui. Non, mais je rigole quand même. Il est à peu près notre âge, Olivier. Ouais, mais je dirais que c'est un vieux papy, voir comme ça. Là. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'il se réveille très tôt, il se couche tard pour se réveiller tôt. C'est pas bon pour la santé non plus. Hein. Non. Voilà, voilà. Bon, allez, voilà. Ouais, ça c'est la pizzeria, c'est une super pizzeria, tu vois. Bah, allez vous amuser avec ce numéro-là, vous allez voir. Vous allez vous retrouver comme des nanes. Parce que ça, c'est des potes, ça. Hein. Ça, c'est des potes. Alors, pour ceux qui me commandent des pizzas, allez-y. Ça marche pas comme vous voulez, parce que vous allez sortir votre bleuette, là. Ah, merci, hein. Faites comme ça. Allez. Et en plus, c'est une Renault 5 Turbo, t'as vu, hein. J'ai dit à une autre, tu sais, Marie va prendre une voiture. Oui, tu vas me le répéter combien de fois mais... Et en plus, tu vas le dire devant la vidéo. Mon Dieu, signori. Voilà, Audi. Et en plus propre que celle de Calgon. Comment? J'ai plus du cul, mais pour le son quand même. Voilà. Non, ça, c'est pas grave, ça, c'est normal, c'est diesel. C'est le problème du diesel. Bon allez, on vous adore, on vous aime bien. Regarde le camion militaire, voiture militaire. Où ça? Il y en a pas, arrête de conneries ça. Mais ça c'est une Citroën, oh là là. Il est ouvert ou il est pas ouvert? Bah il est fermé. Bon allez, salut les gars, prenez soin de vous. On ferme parce que il y a Brutti là-haut là qui pleut.